Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je te salue, bien-aimé, dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce matin, je te souhaite la paix. Que la paix de notre Seigneur Jésus, qui surpasse toute connaissance, habite pleinement ton cœur, habite ton foyer. Que la paix habite tes entreprises, que la paix habite tous les domaines de ta vie. Point de trouble. Point de trouble, reçois la paix de ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes réunis en ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous bénissons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, le Dieu de Jésus, qui est notre Papa, qui nous a réveillés ce matin en bonne santé. Nous le bénissons pour sa grâce qu'il renouvelle dans notre vie. Nous le bénissons pour la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous bénissons Dieu pour tous ses merveilles dans nos vies. Chaque jour de notre vie est une merveille. Chaque jour de notre vie est une merveille. Et aujourd'hui, notre Dieu a bien voulu nous parler comme il le fait chaque matin. Il nous parle chaque matin. Peut-être c'est nous, ses enfants, qui ne sommes pas disponibles ou disposés. Mais lui, notre Dieu, il est fidèle. Sa parole nous nourrit chaque matin. Et encore aujourd'hui, il vient nous parler. Il déclare dans sa parole, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » Bien-aimé, Jésus a soif. Jésus a soif de cette foi. Il attend que tu croies de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il faisait en son temps, dans son ministère sur cette terre des hommes, il continue à le faire. Alors tout dépend de notre foi. Tout dépend de la foi de tout un chacun de nous. Il a soif de ta foi. Quand tu as foi en Dieu, tu touches le cœur de Dieu. Quand tu as foi en Dieu, tu touches le cœur de Dieu. Le centurion dira, « Je n'ai pas besoin, Seigneur, que tu entres dans ma maison, mais dis seulement une parole juste, et ma fille sera guérie. » La Bible dit que Jésus tressaillit. Jésus était d'une joie extrême et l'a déclaré, « Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. » Bien-aimé de Dieu, aie la foi en Dieu. Dieu n'attend que ça. Aie la foi et la gloire de Dieu se manifestera encore dans ta vie. Oui, si tu le crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras sa gloire. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé de Dieu, il n'en est pas autrement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et un passage dans la Bible qui me fait souvent peur. La Bible dit que quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur cette terre? Il n'a pas demandé autre chose. Est-ce qu'il trouvera la foi? Bien-aimé, en ce monde fou, il n'y a que la foi qui peut nous aider à tenir bon. Croire de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces que Jésus est vivant, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu. À qui veut l'entendre, nous le proclamons. Il est Dieu. Il est Dieu et il reste Dieu. Bien-aimé, je te supplie en ce matin, je ne sais pas ce que tu vis, mais crois, parce que Dieu est capable de tout.
si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras ta guérison. Je te dis que si tu crois, tu verras l'enfantement. Je te dis que si tu crois, tu verras ce nouveau travail. Je te dis que si tu crois, tu verras la réconciliation. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les merveilles de ton Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Tu verras la gloire de Dieu dans ton chômage. Tu verras la gloire de Dieu dans ton mariage. Tu verras la gloire de Dieu dans tes entreprises. Tu verras la gloire de Dieu sur tes enfants. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, en ce matin, je veux déclarer que je crois. Que le ciel et la terre témoignent des paroles que je déclare maintenant. Je me lève, je me tiens debout là où je suis et je déclare que je crois en Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, le Maître du temps et de l'espace, le vivant pour les siècles sans fin, le Prince de la paix, le conquérant, le lion de la tribu de Juda. Je mets toute ma foi en Dieu. Je mets toute ma foi en Dieu. Je mets toute ma foi en Dieu. Et je sais que ceux qui mettent leur foi en Dieu ne sont jamais déçus. Jamais, parce que Dieu est fidèle. Alors bien-aimé, avec moi, faites cette déclaration ce matin. Déclare que tu crois de tout ton cœur. Je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi. Vivant, mystérieux, si près de moi. Je crois en toi, Jésus. Je crois en toi. Vivant, mystérieux, si près de moi. Dans tous les désarrois, tu garderas ma foi. Je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi. J'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi. Ta main du haut des cieux prend soin de moi. Oui, ta main du haut des cieux prend soin de moi. Ta main du haut des cieux prend soin de ma famille. Ta main du haut des cieux prend soin de mes proches. Ta main du haut des cieux prend soin de nos enfants. Ta main du haut des cieux prend soin de nos amis. Tu es Dieu et tu le restes à jamais. Tu ne changes pas. Merci de ce que cette foi, tu me le donnes en ce matin. C'est toi-même qui m'attire à toi et tu me donnes cette foi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je crois en toi seul. En toi seul. Bien-aimé, demeure dans cette déclaration de foi tout au long de la journée et tous les jours de ta vie.
déclarant tout temps, à temps et à contre-temps, que tu crois en Dieu. Qu'importe ce que tu peux vivre, déclare que tu crois en Dieu. Dieu aime ceux-là qui mettent leur foi en lui. Alors demeure dans cette confiance et que le Seigneur, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, te bénisse, te protège et te garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.